Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver cette semaine. C'est votre émission de cuisine, c'est l'émission des gourmets et des gourmands de TV07. C'est l'émission évidemment Toc 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 qui est là. Alors cette semaine, c'est une chef que nous allons accueillir face ici sur ce plan de travail. Elle s'appelle Nathalie Porquet, c'est le restaurant La Calèche, c'est à l'Argentière. Je suis donc très heureux d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Franck. Alors comment vas-tu? Ça va. Ça va? Bon, très heureux tout d'abord de t'accueillir pour cette émission. Tu as décidé un peu de nous cuisiner la vraie tradition ardéchoise. On va monter un petit peu en altitude aujourd'hui, on va aller sur le plateau, on va aller du côté de Mézinc avec un plat. Tu as décidé de nous travailler quelle viande, puisqu'on va parler de viande aujourd'hui. Donc j'ai choisi le paleron. Le paleron qui aujourd'hui est une pièce qu'on a un petit peu oubliée, qu'on travaille un peu moins dans, ouais, les restaurants. Donc j'ai choisi de le travailler en braisé. D'accord. Au four pendant 5 heures. Bon, donc on va être un petit peu ensemble cet après-midi, on va passer de longues heures ensemble. C'est bon, ça, c'est parfait. Tout à fait. Très bien. Parle-nous un petit peu de La Calèche, ce restaurant dans un petit village qui s'appelle L'Argentière. Voilà, parle-nous un petit peu de ton restaurant. Qu'est-ce que tu proposes toi à tes clients au niveau de la carte? C'est un petit peu quelle cuisine qui t'inspire? Alors, on est surtout sur des plats qui sont renouvelés tous les jours. D'accord. Voilà, on a un menu avec entrée plat dessert qui est renouvelé tous les jours. On est sur des produits frais, authentiques. Cuisine de marché? Cuisine de marché. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, on travaille des produits ardéchois, on travaille de la viande bio, du veau, du plateau. Du plateau, d'accord. De la truite, donc d'Aubenas. Voilà, donc voilà. Le label Goûter l'Ardèche. Voilà. Très bien. On est complètement dans des produits. Oui, c'est vraiment local. Oui. Filière courte également, je pense. Oui. On travaille tout à fait. Le maximum. Oui, on travaille aussi avec les escargots de Saint-Romaise. D'accord. Donc voilà. Très bien. Donc on est vraiment sur des produits authentiques et frais. Très bien. Donc c'est un joli restaurant donc à décorer en une jolie petite ville aussi. Hein. L'Argentière a un joli château et un beau patrimoine. Tout à fait. Donc voilà. Alors on va revenir un petit peu sur ta recette. Ce paleron, tu as décidé de nous le cuisiner, évidemment donc braisé. Oui. Explique-nous un peu la recette. Alors, le paleron, donc, pour qu'il ait toutes ses saveurs et ses senteurs, il faut qu'il cuise longtemps. Il faut que tous les arômes se mélangent. Donc, on va prendre... Donc le paleron, on va peut-être le montrer. Voilà. Allez, on prend le paleron. Tiens, on va le mettre, voilà, pour que nos amis puissent voilà, le voir justement derrière la caméra. Donc voilà. Ce morceau vient du plateau. Voilà. Voilà. Donc, il vient d'une limousine, hein, qui a été élevée pendant 25 mois. Elle vient de chez Marcon. Voilà. Donc voilà, et c'est le foin gras du Mézinc. Alors, il est élevé à quoi tu parles de limousine? Alors, uniquement au foin. D'accord. C'est la spécificité du foin gras du Mézinc. Tout à fait. Il y a uniquement au foin, et à l'intérieur de ce foin, il y a de la cistre, donc, oui, qui ramène justement toutes ces senteurs florales, qui fait que tout ce parfum dans cette viande qui est exceptionnel justement, puisque ils ont été labellisés. Donc AOC et AOP. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que c'est une viande d'exception. On ne l'a pas sur le fin gras du Mézinc, et du mois de janvier au mois de juin, donc fêté au fin juin, début juin plutôt, excusez-moi, du 4 au 5 juin. Donc il y a une grande fête. C'est une fois en Ardèche, une fois en Haute-Loire. C'est ça, voilà. Voilà, cette année, ce sera en Haute-Loire. Ça sera le 4 et le 5 juin. Voilà, bon, et bah, c'est vraiment une viande d'exception. Bon, c'est... très bien. Donc, tu as décidé de la braiser au vin rouge. Tout à fait. Voilà. Donc, on reste toujours dans les produits ardéchois, donc de qualité. Donc, j'ai choisi donc un vigneron qui n'est pas très loin de chez moi. Voilà, donc... pour justement son vin qui a ce côté aussi, qui va m'amener aussi beaucoup de saveurs et beaucoup de fruits. Est-ce que tu veux le présenter, puisqu'il est venu aujourd'hui le vigneron?
Tout à fait. Allez, appelle. Alors, je vous présente Christophe Grandjean. Voilà. Voilà. Bonjour, et ben bienvenue. En tout cas, approchez-vous un peu du champ de caméra. Pardon. Voilà, très bien. Parlez-nous un petit peu donc de ce Chatu, de votre vin. Voilà. Ben, Chatu, c'est le cépage emblématique de la Cévenne ardéchoise. Absolument. Voilà. Donc là, on quitte le plateau ardéchois, le fin gras du Mézin, et on passe sur la partie Cévenne, donc la terre à Châtaigny, avec le Chatu, donc un très très vieux cépage ardéchois. Qui va, la zone de production s'étend de Paysac jusqu'à Châtier, un petit peu au-dessus d'Argentière. Ouais. Et du coup, voilà, donc là c'est un Chatu donc 2013 qu'on aura pour la recette, d'accord. Qui a fait 29 mois de barrique. Ouais. Et... En quoi ce vin va apporter une valeur ajoutée à un braisé comme ce Paleron, par exemple? Déjà, la viande elle-même se suffit elle toute seule. Oui. Le fin du Mézin. Et en quoi elle va le magnifier un peu plus? Par contre, oui. L'intérêt qu'il y a par rapport au Chatu, le fin gras du Mézin, c'est le Chatu a un très long élevage, a une belle acidité. Et du coup, quand on est en train de déguster le plat et la sauce, surtout que Nathalie voulait faire un plat sucré avec du pain d'épices, donc du coup, ça amplifie encore plus le côté de la sauce et l'acidité du vin fait ressortir la viande. Voilà. Et du coup, on a une harmonie qui va se créer et on va jouer un peu au ping-pong, entre guillemets, entre la viande et le vin. Et c'est là qu'on va vraiment magnifier l'un et l'autre. Très bien. Très bien. Bon. On va être complémentaires. Eh bien alors, il n'y a plus qu'à maintenant alors. Hein, donc on se retrouvera peut-être en fin d'émission pour déguster votre vin. Alors ça y est, on va donc débuter la recette. Dis-nous un peu quoi allons-nous commencer. On va commencer par faire un bouquet garni. Alors un bouquet garni. Alors un bouquet garni. Vas-y. Alors je vais mettre la viande sur le côté. Voilà, on va mettre le vin. Sur le côté, voilà. Alors un bouquet garni, on prend poireau, thym, laurier. Un bouquet garni classique, ce qu'on trouve, voilà. Et queue de persil. Très bien. Bon, c'est ce qui va donner de l'arôme à ton braisé. Tout à fait. Voilà. Alors n'hésite pas, hein, si tu as besoin de moi, je suis là pour te donner un coup de main également. Donc faire ton on va le ficeler. Donc, voilà. Donc pour pas que... Ouais, tout se mélange. Voilà. Très bien. Alors, une fois que notre bouquet garni est fait, on va saisir notre viande. D'accord. Allez. Alors, je vais aller saisir le paleron. D'accord. Et pendant ce temps, si tu peux m'éplucher la carotte, alors, la carotte et l'oignon. Eh bien, très bien. Allez. Me couper la carotte en 4 et l'oignon en 2. D'accord. Bon, allez. Voilà. Je veux bien la pince, s'il te plaît. Voilà. Alors, la pince. Le beurre ici. Voilà, le et beurre. L'huile. Ah ouais, en fait, je suis ton vrai commis, en fait. Hein. Voilà. On est commis, on y est voilà, pas. Chef. Très bien. Merci. Voilà. Allez, je vais un petit couteau aussi, je veux bien. D'accord. Voilà. Merci. Un office. Voilà. Allez, parti. Donc, je vais mettre une noisette de beurre, de l'huile. Je vais attendre qu'il y ait une petite coloration au niveau du beurre. Et de l'huile. Donc ça sent déjà bon, hein. Il y a la viande dedans. Non, c'est l'huile, juste l'huile. Tu vois, c'est marrant, le beurre qui sent. Voilà, le beurre devient un petit peu noisette. Donc, je prends mon paleron. Et je vais le saisir à l'intérieur de ma casserole qui va au four, bien sûr. Parce qu'il va cuire pendant 5 heures, à couvert. D'accord. À 130 degrés. 130 degrés. 130 degrés pendant 5 heures à couvert. D'accord, donc on est sur une cuisson extrêmement lente. Tout à fait. Pourquoi ?
pour éviter d'agresser. D'un, on n'agressera pas la viande, et de deux, elle va prendre toute sa saveur, et ce petit nerf qu'on retrouve dans le paleron au milieu va diffuser dans la viande. D'accord. Ce qui va permettre de rendre encore plus de saveur à notre plat. D'accord. Et ce petit nerf va se transformer en collagène, en gélatine qui va... Je mets le... mets ça là. Le lard, là, justement. Je vais le garder aussi. Ça, tu le lard. Donc, c'est de la poitrine fumée. C'est de la poitrine fumée. Très bien. Voilà. Ça sur le côté. Tu le fais revenir combien de temps ? Là, juste sur toutes les faces. Qu'il soit coloré, bien coloré, pour qu'on ait bien des sucres au fond de la casserole, pour pouvoir faire revenir justement c'est nos combien, légumes. C'est 5 minutes à peu près ? Ouais, à peu près. D'accord. Voilà, tout dépend de la puissance de son feu dessous aussi. Hein. Donc il faut bien qu'on ait des sucres au fond pour pouvoir faire revenir nos légumes, notre morceau de lard, que ça soit bien caramélisé, pour après déglacer avec notre chatu. D'accord, très bien. Tu ne sales pas, tu ne poivres pas ? Pas de suite. Pas de suite. Et je ne salerai pas. D'accord. Parce que nous avons le lard, évidemment, qui est là et qui va nous amener le sel suffisant dans notre plat. Très bien. Je vais juste uniquement poivrer. D'accord. Très bien. Donc voilà, là on a une belle coloration. En effet. On va colorer. Mettre les oignons. Nos oignons, nos carottes, notre morceau de lard. Et notre bouquet garni. D'accord, le bouquet garni qui est là. Voilà. Donc on va faire revenir tout ça. Donc on peut mettre une bouteille entière. Ah, une bouteille entière. Oui. D'accord. Parce qu'il y a quand même 5 heures de cuisson, donc il y a une réduction. Donc il faut mouiller quoi ? À niveau de la viande ? Alors il ne faut pas que ça soit au-dessus de la viande. Il faut vraiment que ça soit, on va dire, qu'il ne faut pas qu'elle soit complètement recouverte. D'accord. Voilà, on va poivrer. On va poivre du moulin, pas un poivre spécifique. Non, poivre du moulin, c'est voilà. Très bien. Très bien. Voilà, on va laisser remonter en température. Oui. Et dès que c'est monté en température, on va couvrir. D'accord. Et mettre au four 5 heures. On peut utiliser quel type de récipient ? La fonte, l'inox ? Alors la fonte serait, c'est sûr que la fonte serait idéale. Mais si on n'a pas, on peut utiliser. Mais si on n'a pas, justement, c'est pour ça qu'on a choisi une de ces casseroles, parce que tout le monde n'a pas des casseroles en fonte à la maison. Mais il faut utiliser une casserole vraiment qui aille au four. La terre cuite, par exemple ? Tout à fait. Aussi, on peut utiliser ? Tout à fait. D'accord. De toute façon, plus l'ustensile sera authentique, comme la recette, plus finalement la recette sera meilleure. Quoi. Okay, le plat sera bien. Meilleur. Donc on va laisser remonter en température, laisser bouillir, on couvre et on met au four. C'est tout. 4 à 5 heures de cuisson. Et là, on attend. C'est tout. Rappelle-nous le degré, 130 degrés. 130 degrés. Alors, ne pas oublier de temps en temps de tourner la viande. D'accord. Voilà, de la tourner de temps en temps. Et donc, suivant le four aussi, ça peut durer que 4 heures. Il faut faire très attention que votre viande ne soit pas trop... Mais en prenant un fin gras du mézin, c'est vrai qu'on se retrouve quand même sur des chairs très, très fermes. Mm-hmm. Donc, du coup, cette viande ne s'effilochera pas que... comme si vous preniez un paleron de viande normale. D'accord, voilà. Voilà, le paleron est au four. Oui. On revient au plan de travail. Alors, on n'en avait pas parlé tout à l'heure en introduction, mais je vois de la farine, je vois du miel, je vois différentes choses. Un mot, la cake. Alors. On parlait du pain d'épices. Du pain d'épices, c'est-à-dire que pour lier notre sauce, donc aujourd'hui c'est sûr qu'on se sert de farine de maïzena. Mm-hmm. Moi je me sers ni d'un ni de l'autre, je vais me servir du pain d'épices. Alors pour quelle raison le pain d'épices ? Parce qu'on se retrouve encore avec un miel ardéchois. D'accord, donc tu voulais donner cette note un peu d'acidité. Qui va nous amener encore des fleurs dans notre plat. Donc ce miel vient d'un petit producteur qui est un fou furieux des abeilles et il appelle ses filles les abeilles. D'accord. Voilà, donc il me fournit un petit peu de miel de temps en temps, mais très peu parce que
Et qui est ce personnage? Oh, c'est un personnage, il s'appelle Jimmy, tout le monde le connaît à l'Argentière. Ah oui, donc il est du secteur... Voilà, complètement. Voilà. C'est du miel de l'Argentière. Donc... C'est pas le fameux miel qu'on a découvert depuis peu au cannabis, c'est pas celui-là. c'est pas celui-là, d'accord. Non, parce que, voilà, pour mais ça pourrait le faire rire. Ah, je pense bien. Ça pourrait le faire rire. Voilà. Donc, il fait ce miel avec amour, il adore ça, c'est un fou furieux. Donc, son miel est à base d'acacia, de ronces et de châtaigniers. C'est pour ça qu'il a cette couleur très foncée. D'accord, oui, c'est vrai qu'il est très foncé. Voilà. Bon. Et il est, on sent vraiment le châtaignier dans ce miel. Très bien. Ce qui va nous apporter justement à notre plat encore un peu plus de saveur. D'accord. Quand vous allez déguster, vous allez voir, vous allez retrouver ce pain d'épices et ce miel. Pas nos amis ne vont pas les déguster. Hein. C'est nous qui allons le déguster. C'est vrai? Ah, mais oui. Nous, on a de la chance en plus. Alors, farine, miel. Alors, ensuite, voilà. Qu'est-ce que... Les œufs? Les œufs. Ça, c'est quoi? Alors, hop là. Alors, c'est ce que je mets dans mon pain d'épices. Bon. Après, voilà, chacun peut mettre ce qu'il veut. Oui. Moi, je mets de l'anis, je mets de la badiane, je mets de la muscade. D'accord, donc tu fais un mélange. Je fais un mélange. On retrouvera évidemment les ingrédients en fin d'émission. Hein. Il n'y a pas de problème pour nos amis qui voudraient refaire ce pain d'épices. Je ne mets pas de levure. Pas de levure, d'accord. Ça, c'est quoi? Je mets du bicarbonate. Bicarbonate de soutien, montre. Voilà, on va montrer bicarbonate. Le paquet, Voilà. Un joli paquet comme ça. C'est un bicarbonate que vous pouvez trouver justement à l'Argentière, hein, chez la quincaillerie Martin, qui nous vend encore des produits d'avant. C'est vrai. C'est de très beaux produits. Très bien. Voilà. Donc c'est ça, c'est le bicarbonate que tu as mis là. Tout à fait. Très bien. Alors, ça, du sucre. Ah, donc du sucre. Voilà. Et puis je pense que c'est tout. C'est tout. Bon. Et si, il me faut une petite tasse d'eau. Une petite tasse d'eau. Et ça voilà. Ça va pas être bien compliqué à trouver. Non. Alors vas-y, je te laisse faire voilà. Le pain d'épices. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer donc, le miel avec les épices. Très bien. Et le sucre. Voilà. Je te laisse faire. Donc, pour faire fondre en fait notre miel, pour pouvoir mélanger tout ça. Donc. Donc, évidemment, tu avais déjà. J'avais déjà pesé. Pré-dosé, voilà. Voilà, donc cette recette vient d'une grand-mère qu'il a eue de sa grand-mère. Donc voilà, c'est une très vieille recette et qui m'a été donnée par quelqu'un de l'Argentière aussi. Hein. On est à fond en Ardèche. Très bien. Voilà, donc le sucre. Tu sais que cette recette ne sera plus un secret. Je sais. Tu as décidé de la donner à. Tout à fait. À mais nos téléspectateurs. J'en ai parlé avant. Ah, d'accord, très bien. À la personne concernée. En tout cas, c'est un joli cadeau. Voilà. Ah donc tu mélanges vraiment le tout, tout. De façon et très va, simple. On va faire chauffer. Et on va faire chauffer. Eh bien alors, voilà. Donc je t'amène. Donc l'eau. L'eau. Voilà. Surtout bien surveiller parce que ça va monter d'un coup et ça risque de déborder et dommage pour votre feu. D'accord. Donc voilà. Alors, notre préparation. Donc, il monte en température. Oui. On met notre farine dans notre cuit de poule. Tac, on met ça. Et donc. Donc, on mélange. Ah oui, donc c'est de façon mélange très simple. Très simplement. Voilà. Je vais monter là. Je vais te débarrasser. Tu n'en as plus besoin? Non. Hop. Une petite goutte encore. Ah, faut pas l'oublier, hein. Ça fait toute la différence. Allez. Voilà. Donc ça donne une pâte un peu homogène. Voilà, ils n'ont pas les odeurs, mais nous... Nous, on les a. On les a. Hein. Ouais. Et le miel, on peut dire que... Ouais. Voilà, donc on va casser un œuf à l'intérieur. Je me posais la question, y a-t-il pas un risque avec un miel de châtaignier extrêmement concentré d'avoir une forme, quelque chose d'un peu plus amer, une amertume qui se développe un peu plus? Alors... On peut l'avoir si le miel de châtaignier est vraiment très fort. Là, ça. Il n'est pas uniquement châtaignier. D'accord, il y a de l'acacia, il y a de la ronce, ouais. Donc il est coupé. Par contre, si vous prenez un miel de châtaignier, oui, ça va être... C'est ça, voilà. Et ça va être amer. C'est ça, voilà. Ça donc, va être très amer. Évitez quand même un miel que de châtaignier. Tout à fait. À donc, éviter. Donc un œuf. Un œuf. On mélange. On a une pâte bien lisse. Tiens, montre un peu bien la caméra. Bien brillante. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Et c'est fini. Ah, c'est fini. Et c'est facile de faire un pain d'épices, finalement. Même les enfants peuvent le faire. C'est ça. N'est-ce pas? Même les enfants.
Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à beurrer un plat, le chemiser. Chemiser, rappelle-nous ce que ça veut dire chemiser. Alors, chemiser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a beurré notre plat, on met de la farine, on le tape, oui. Ce qui évitera que en fait, le pain d'épices ne colle au plat. Donc, on va le chemiser. Donc, tu commences par le beurre. Alors, on prend du beurre fondu. Et on va beurrer notre plat. Surtout, on n'oublie pas les coins le plus important, parce que c'est là où ça accroche. Très bien. Ça, c'est quelque chose qu'on peut préparer, par exemple, la veille de ton plat. Le pain d'épices, oui, tout à fait. Parce que là, on va se retrouver confronté à un braisé, le paleron, qui est en train de briser à 130 degrés, et lui, il va falloir le cuire. Tout à fait. Voilà, donc là, on a triché un petit peu, évidemment, aujourd'hui. Hein. C'est ça. Hein, donc, tu as déjà cuit un pain d'épices, qu'on montrera juste après. C'est ça. Mais là, c'est juste la préparation. On ne mettra pas en cuisson maintenant. Voilà. Ce qui est mieux, c'est voilà, de préparer son pain d'épices en premier. Voilà. Et après, d'effectuer le paleron. La cuisson du paleron. Parce que le pain d'épices se cuit à 170 degrés pendant à peu près une heure. D'accord. Toujours pareil, four traditionnel. Tout à fait. Voilà. Ok, donc là tu enlèves l'excédent de farine. Voilà. Voilà. Pour éviter donc. Voilà l'action de chemiser. Que ça ne colle. Voilà. Donc on va mettre notre appareil. Voilà. À des échanges. Donc 170 alors, degrés pendant une heure. Tout à fait. Et comment alors, vérifier si vérifier il est cuit la ou pas. Cuisson. Hein. On pique au milieu. On pique au milieu avec une pointe de couteau. Vérifier vraiment la cuisson parce que suivant le four, ça peut durer que 45 minutes ou 50 minutes. Hein. Donc voilà. Très bien. Tu le cuis, mais non couvert. Hein. Non couvert. On ne met pas le couvercle. Voilà. Non couvert. Donc là, un moulin cake traditionnel, tout même si fait. C'est du tefal, il n'y a pas de problème non plus. C'est tous les moules que vous voulez. Voilà. Même donc, les formes que vous voulez. Donc évidemment, on va reprendre tatatatin. Voilà. Hop là, une heure après. Il est cuit, c'est magique. C'est magique. Hein, voilà. Hein, donc voilà, c'était juste pour montrer avant et après. Voilà, comme ça, nos amis puissent voir la cuisson terminée. Tout à fait. Ce pain d'épices, il va te servir à quoi? À lier ma sauce. Uniquement. D'accord. C'est-à-dire que quand le paleron sera cuit, donc je vais le retirer. Je vais retirer le bouquet garni. Je vais passer ma sauce au chinois. Très bien. Je vais découper des morceaux de pain d'épices et je vais mixer mon pain d'épices dans ma sauce. D'accord. Bon, ça, on verra de toute façon tout à l'heure. Donc lui, on va le mettre de côté. Tout à fait. Lui, on va le réserver également. On va le mettre sur le côté. Voilà. La cuisson, on attendra que le braisé soit fait 5 heures après pour cuire le pain d'épices. Notre et là, pain d'épices. Que peut-on faire pour l'heure? Alors, on va attaquer par les petits légumes et la crique. D'accord. Donc, si on se met à deux, c'est sympa. Eh bien, allez, je t'aide, je vais comme promis. Faire la crique. Eh bien, voilà, ce sont les garnitures de ton plat. Voilà. Alors, donc, dis-nous un petit peu ce qu'il y a là-dedans. On a des petites carottes. Montre-les bien à la caméra, là, c'est joli. Elles sont toutes jolies, toutes belles. Elles viennent de chez le maraîcher. Tout à fait. Très bien. Et donc, ces petites carottes-là, on n'a pas besoin de les éplucher, juste on va les gratter pour enlever les racines. D'accord. Donc, qui vont nous embêter un petit peu. Les petites fanes, on ne va pas les jeter non plus, parce qu'on peut faire des choses avec les fanes, on peut faire des quiches, on peut faire des potages. Rien ne se jette aujourd'hui. Rien ne se jette. C'est ce que je vois avec les chefs depuis quelques semaines qui viennent. De façon successive ici. Tout se réutilise. Très bien. Voilà. Après. Donc, on a des tout petits navets. Tout joli, tout mignon. Tout rond. Et encore une carotte. Carotte blanche. Cette fois-ci, blanche. Très bien. Voilà. Donc, c'est ta garniture. C'est ma garniture. Ainsi que, on va faire la crique. Alors. Donc, pommes de terre. Donc, la binge. La binge. Bien. Du persil. Et. De l'ail. Voilà. Un œuf. Un œuf qui est là. Un œuf. On va mélanger. Sel et poivre. Très bien. Donc, voilà. Je vais te laisser éplucher les pommes de terre. Donc les pommes de terre. Et moi, je vais m'occuper des petits. En fait, c'est ça. C'est le travail de l'apprenti. Hein, c'est toujours comme ça. C'est l'apprenti est toujours au pluche. Voilà. C'est une. Ah tiens, hop là. Un couteau. Un petit couteau. Tu veux un petit couteau? Voilà. Allez. Ben moi, je fais donc. On y va. On va travailler c'est ensemble. Parti. Allez.
Donc je vais essayer. Dis-nous un petit peu, parle-nous un peu de ton parcours. Tu as toujours fait de la cuisine, c'est une passion chez toi. Comment c'est né? Alors, j'ai toujours fait de la cuisine. Je suis partie en cuisine, j'avais 14 ans. D'accord. C'était hier. Voilà. On ne va pas dire depuis quand, mais c'était hier. Voilà. Et j'avais une mère qui cuisinait énormément. Ouais. Et c'était devenu quelque chose de viscéral. Et alors, c'était où? C'était en Ardèche? Tu viens d'un autre département? Non, ce n'était pas en Ardèche. D'accord. C'est en Haute-Savoie. Très bien. Pas très loin non plus. Non, pas très loin non plus. Voilà. Donc, j'ai eu cette passion de la cuisine. Ma mère était contre. Forcément, hein. On a toujours le même discours. Évidemment. Les horaires, voilà. Les week-ends, les en jours même fériés, temps, en même la temps. Famille. Voilà. Donc, elle a décidé de me punir et de m'envoyer en station faire une saison pour voir ce que c'était exactement que la D'accord. cuisine. Et tu n'as jamais quitté la montagne. Et je n'ai plus jamais quitté la cuisine. Très bien. Voilà. Donc, je suis arrivée en Ardèche il y a 6 ans. D'accord. Je suis tombée sur ce restaurant qui était... pour moi, un coup de cœur. D'accord. Un gros coup de cœur. Et l'Ardèche a été un gros coup de cœur. Voilà. Donc tu l'as plus quitté depuis. Je ne l'ai plus quitté depuis. Voilà. Donc les pommes de terre, je les lave? Oui, non. Non, je les lave pas. Non, il faut les essuyer. Je les essuie. Pour quelle raison? Parce que en fait, quand on va les couper, déjà, il y aura de l'amidon et de l'eau qui va se former. Si tu les laves, en fait, la pomme de terre va se démêler. Voilà. C'est ça, c'est l'amidon qui va permettre de coller le. Complètement. Donc, du coup, je ne veux pas que tu les laves. D'accord, donc je vais juste les frotter. Voilà. Je vais prendre. Voilà. Et donc, je les essuie. Et après, il va falloir que je les râpe. Tout à fait. C'est ça. À la mandoline. À la mandoline. Sans se couper les doigts. Ça, à mon avis, ça va être plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué, je pense. Voilà. Oui. Hein? Oui, je pense. Donc, la mandoline, qui est évidemment pour nos amis musiciens, un instrument. D'ailleurs, on retrouve beaucoup les instruments de musique dans la cuisine. Le piano, la mandoline. Tout à fait. Hein? Donc, pour éviter que je me coupe, comme ça. Bon, c'est un peu épuisant, hein, cette histoire. Non, mais ça ira. Voilà, ça ira ça comme ira. Ça, ça va. Je vais pas t'embêter plus. Bon, très bien. Donc on fait comme ça toutes les pommes de terre. Tout à fait. Voilà. Donc une fois que les pommes de terre seront râpées. Oui. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les criques en Ardèche, il y a autant de recettes de criques que ce qu'il y a d'Ardéchois, je crois bien. Donc chacun a sa petite recette, sa petite astuce. Voilà, sa petite recette. Alors moi, c'est simple, je l'ai fait le plus simplement possible. D'accord. Pommes de terre, ail, persil, d'accord. Sel, poivre et un œuf. D'accord. Voilà. Après, des gens rajoutent plein de choses dedans. Moi, j'estime qu'elle est très bien comme ça. Elle est authentique. Et c'est ce qu'on veut parler aujourd'hui quand même. C'est évidemment, d'authenticité. De la cuisine ardéchoise. Très bien. Bon. Même si je ne suis pas une authentique ardéchoise. Donc là, comment tu vas les cuire tes légumes? Alors, je vais les glacer à blanc. Oula, glacer à blanc. Alors, glacer à blanc, ça veut dire que je vais mettre un peu d'eau, oui. Un peu de beurre et un peu de sucre. D'accord. Ils vont cuire entre 5 et 7 minutes. Ah, donc des légumes croquants. Des légumes croquants qui vont garder toute leur saveur. D'accord. Et toute leur couleur. Ils vont bien rester. Bon, voilà, je pense que tu auras un peu de pommes de terre. Je pense que derrière l'écran. Il y aura de meilleurs spécialistes que moi du râpé de pommes de terre. On va y mettre dedans donc les pommes de terre râpées, c'est ça? Tout à fait. Je les mets dedans. Voilà. Alors ça évidemment on va garder hein, pour la suite. Donc tu vas y mettre quoi dedans? De l'ail. Donc il va falloir que tu l'épluches et que tu les minces. Donc. Très finement. Voilà. Juste une gousse. Une gousse. Terminé. Il faut pas trop en mettre. Hein. C'est terrible. Alors, une gousse. Et ensuite, Alors, faut vraiment pas retrouver des gros morceaux d'ail. D'accord, hein, donc parce que c'est très désagréable. Donc, faut vraiment les mincer très très finement.
Voilà. Donc on l'écrase quoi, quasiment. Voilà, et faire ça très 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 fin. Que ça va comme ça? Encore plus un fin? Peu. D'accord, allez hop. Je suis une femme, hein. Je suis c'est pénible. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein. C'est terrible. Voilà, exactement. Jamais, jamais je travaillerai en cuisine, jamais, jamais. Avec jamais. Une femme jamais, mmh. même avec un homme d'ailleurs. Voilà, ça va voilà. Comme ça? C'est bon? On va faire pareil mets... avec le persil. D'accord, très bien. Donc je mets dedans? Tout à fait. Ok. Et le persil. Vous voyez, la pomme de terre commence déjà à noircir. Hein. Elle change déjà de couleur. Donc on va prendre, pas les queues bien sûr. Hein. Donc je vois que tu utilises du persil simple. Alors c'est un persil qui vient de l'Argentière pareil. Hein. D'accord. Tout à fait, c'est quelqu'un qui me l'amène régulièrement, qui m'amène des arômes comme ça. Très bien. Persil. Donc là tu fais un haché de persil. Tout à fait. Et celui-là a été coupé de tout à l'heure. D'accord, donc il est tout frais. Il est tout frais. On n'utilise pas les branches. Non, juste les feuilles. Les feuilles. Donc là. Voilà. Donc on va saler. Et alors la crique, c'est. On va la cuire combien de temps? Alors, pas très longtemps. D'accord. On va la cuire. Tout dépend la grosseur donc, qu'on veut avoir en crique. Oui. Donc on peut mettre avec un emporte-pièce. Mettre dans une poêle avec un emporte-pièce et on aura une belle crique. D'accord. Donc pas très authentique parce qu'elle va être très ronde, très belle. Ou on peut la faire tout simplement comme ça à la cuillère sans... D'accord. Donc là, ça donne ça. Tout évidemment, à fait. Très simple. Du sel, tu j'ai sales mis du sel. Et il manque du poivre. Et le poivre. Donc je vais chercher le poivre. J'y vais donc en poivre quelques voilà. Tours du moulin comme ça. Voilà. Et on va mettre un œuf. Un œuf dedans. Donc l'œuf que tu avais réservé tout à l'heure. Tout à fait. Et qui se trouve, voilà, ici. Je casse. Tout à fait. Vais. Voilà. Et donc on mélange ensuite ça. Et on mélange tout ça. Avec. Une fourchette. Hop là. Une cuillère en bois. Une cuillère. Allez. Y vais. Vas-y, y vas-y, vas-y. Je vas-y. Le fais. Allez, vas-y. Je vais jusqu'au bout alors. Oui, oui. Très bien. Il faut assumer. Voilà. Allez. Pour moi, je vais savoir faire une crique. Voilà, on va faire chauffer un peu d'huile dans une poêle. D'accord. Et donc, toi, tes légumes sont prêts? Moi, mes légumes sont prêts. Je vais les laver. Oui. Donc, je vais mettre dans une poêle un petit peu de beurre, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'eau et du sucre. Très bien. Alors, ta crique, tu vas mettre de l'huile au fond de ta poêle. D'accord. Donc là, j'ai des cercles. On va prendre un emporte-pièce. Très bien. Donc, l'huile, voilà. Ici. Tout à fait. J'y mets l'huile. Tu en mets bien, bien, bien. D'accord. Comme ça, tu ça va. N'hésite pas. Voilà. Très bien. Ensuite. Donc, tu mets ton emporte-pièce voilà. À l'intérieur et tu vas mouler. L'épaisseur. L'épaisseur. On va dire, faut pas que ça soit. On peut les faire de comme on veut. Hein. C'est vraiment. On peut les faire épaisses, pas épaisses. Oui. Moi, je pense que. Voilà, tu remplis à moitié ton emporte-pièce, d'accord. C'est pas mal. On écrase bien, on tasse tu bien. On écrase bien. Ok. Alors, est-ce que ça, on peut la préparer avant et la réchauffer au moment ou est-ce qu'il est préférable de la cuire la dernière minute pour éviter, je sais pas, moi, qu'elle alors, sèche on, ou... peut, on peut réchauffer les criques. Hein. D'accord. Voilà. Okay. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas réchauffer. Hein. Vous mettez au four à basse mm-hmm. Température, pas trop chaud quand même. Très bien. Mais vous pouvez réchauffer les criques. Oui, tout à fait. Très bien. Donc là, tu vas pouvoir enlever ton emporte-pièce. Ah, je peux l'enlever tout de suite. Tout à fait. Et en faire une autre à côté. Ah ok, d'accord, oui, on peut en mettre plusieurs à cuire. Voilà, voilà, comme ça, ça va. Donc nous, on va mettre nos carottes. Donc aujourd'hui, je vais, comme on n'a que deux feux, je vais mettre oui. Mes navets avec mes carottes. D'accord. D'accord. Sinon, donc, on le fait cuire. C'est bien part. De faire cuire à part, en fait. Hein. Donc, je les ai lavés, hein, bien sûr. N'oubliez pas de les laver. Voilà, je vais sucrer. En sachant que la carotte... est beaucoup plus sucré que le navet. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut les cuire à part. Évidemment. Parce que au niveau du sucre, on va pas mettre le même sucre pour la carotte mmh. Que ce qu'on va mettre pour le navet. Donc on va faire une exception aujourd'hui. Hein. Très bien. Donc
Donc le sucre va servir à donner un côté luisant à tes légumes. Alors, on va attendre que l'eau soit complètement évaporée, d'accord? Et quand l'eau sera complètement évaporée, ce sucre va rester et va colorer légèrement les carottes. Ah, il colore, d'accord. Voilà. Donc il va y avoir une légère coloration au niveau de nos petits légumes. Ça se cuit évidemment pas à l'étouffer, on laisse surtout évaporer. Pas du tout, vous laissez ça comme ça, évaporer tranquille. Si jamais vous voyez que vous avez plus d'eau et que vos carottes, vos navets ne sont pas cuits, vous rajoutez un petit peu d'eau pour continuer la cuisson. Donc ne pas oublier, rajouter bien de l'eau chaude et pas de l'eau froide, parce que ça va refaire descendre vos carottes en température. Voilà, donc nos criques. Je pense que ça doit être pas mal. Elles cuisent tout doucement, tranquillement. Voilà. Peut-être à cœur, elles ne sont peut-être pas cuites. Pas encore. On va attendre donc encore là, on les laisse tout de toute façon petit tranquille. Peu. Bon. Voilà, on peut encore les retourner une fois. Ah oui, on peut les retourner une fois. C'est vrai que ça t'embête, ça. Non, mais pas du tout. Regarde, hop là. Voilà. Voilà. Hop. Allez, les légumes cuisent, les pommes de terre sont quasiment cuites. Tu disais, tout tu parlais de, donc, du pain d'épices. Donc tu as coupé le pain qu'on avait vu tout à l'heure. Tout à fait. Pour montrer... cette jolie couleur. Oui, très beau. Et puis d'ailleurs, ça sent très bon. Et cette odeur. Oui, parfait. C'est vraiment... C'est vrai qu'on sent vraiment le miel de châtaignier. On le sent vraiment. Tout à fait. Très bien. Donc, ce pain d'épices, on va le couper en petits carrés. Oui. Donc, pour pouvoir lier notre sauce. Donc, on va faire des petits morceaux. Voilà, on peut servir... Tout dépend de la quantité de sauce qu'on a. Hein. Oui. Voilà. Et ça, c'est ce qui va partir dans... dans le vin, la réduction du vin. Tout à fait. Voilà. Donc ça se fait en toute fin de complètement. De recette. Allez. Ah, merci beaucoup. Enfin, c'est vraiment. On ressent vraiment. On sent bien la badiane. Donc. Pour notre recette, il nous en faudra pas plus. Hein. D'accord. Je pense que ça suffira largement. Très bien. Voilà. Après, donc pour assaisonner notre viande, donc je nous ai préparé une petite fleur de sel avec du fenouil, parce que la cistre, ce que mangent donc les génisses et les bœufs, c'est le fenouil des Alpes. C'est ça. Donc du coup, j'ai mélangé un peu de fenouil avec la fleur de sel et j'assaisonnerai ma viande au dernier moment à l'envoi du plat avec pour retrouver justement ce goût de fenouil. Très bien. Sur mon plat. Parfait. Et regarde, hop, voilà, et voilà. La caméra. Alors, que vas-tu faire maintenant de... Alors, je vais retirer la viande. Voilà. Je vais passer au chinois ma sauce et je vais remettre ma sauce dans la casserole. Et je vais donc lier au pain d'épices. Voilà, le pain d'épices qu'on a. Mais je vais mixer. D'accord. Mon pain d'épices dans ma sauce. Très bien. Donc on y va. Alors vas-y, je te regarde faire. Donc tu débarrasses la viande, peut-être la mettre dans une assiette. Ça, on va montrer à nos amis le résultat final 5 heures après. Voilà. Et le lard. Le lard aussi, tu vas te servir pour. On peut très bien s'en servir pour. Faire pour le mettre dans l'assiette. Finir la décoration de l'assiette. D'accord. Sinon, tout ce qu'on va récupérer, les carottes, oui. Le bouquet garni, tout ça, on peut se resservir de tout ça pour refaire un autre plat. D'accord, ok, très bien. Voilà. On verse le jus de cuisson. Voilà. Voilà, on verse complètement tout ce qu'il y a dans la casserole. Voilà. On n'en oublie pas. Voilà, bon là, il y a quelques petites... Voilà, je vais t'aider. Allez, encore un peu. Les odeurs sont particulièrement belles et agréables. Voilà, c'est bon. Il reste encore quelque chose. Voilà. Ah ouais, donc tu veux vraiment une sauce très lisse. Rien. Complètement. Voilà, ok. Complètement. Donc tu remets. On va remettre. Je vais peut-être te débarrasser de ça. Voilà. Voilà. Dans notre casserole. Et on va faire. Tu reportes à ébullition. On reporte à ébullition. Ébullition. On est monté en ébullition. On incorpore notre pain d'épices. Oui. On retire notre casserole du feu.
et on va mixer tout ça. D'accord. Donc le but, c'est d'arriver à une sauce qui soit liée. Onctueuse. Ton jus qui soit onctueux, d'accord. Donc tant que ta sauce n'est pas comme tu le souhaites, c'est-à-dire onctueuse, lisse, tu remets du je pain d'épices. Je rajouterai du pain d'épices. D'accord. Okay. Voilà. D'accord. Mais il faut faire attention parce que ce pain d'épices, comme on en parlait tout à l'heure, oui. c'est quand même, il est assez fort. Il est assez corsé, oui. Il est assez corsé par ce miel de châtaignier donc, qui est là. Donc, pas évidemment, pas en mettre donc, trop. En mettre trop parce que vous risquez de vous retrouver qu'avec le goût du pain d'épices, ça cacherait le goût de la viande. Le goût de la viande. D'accord, très bien. Voilà. Voilà, là tu arrives au résultat. On va que la tu laisser souhaites. Donc un petit peu réduire. D'accord. Allez, voilà, c'est quasiment la fin de cette émission. C'est ça. 5 heures, ça passe vite. Enfin, en tout cas, c'est un bonheur de préparer cette recette avec toi, Nathalie. Le dressage, tu nous montres un petit peu comment tu vas installer ça sur ta très jolie assiette. Rappelons-le, les assiettes qu'on peut retrouver ici chez Matal. À Obona, tout un service, c'est des services que vous évidemment pouvez retrouver. Alors voilà, je te regarde. Pendant ce temps, on va rappeler notre vigneron du jour, Christophe du domaine Rangeon. Je te laisse faire, on va parler un petit peu vin d'accompagnement pour cette recette. On a cuisiné au chatu de ton domaine. Est-ce qu'on peut changer de vin pour l'accompagner ou est-ce que toi, il est préférable de rester sur le même cépage, le même vin, voilà. C'est un peu les questions à un spécialiste. On pouvait utiliser deux vins. Oui, d'accord. Deux vins assez différents. Donc le chatu, très intéressant dès qu'on a des plaques de l'amertume. Oui. Beaucoup d'épices. Voilà. Donc alors quand on parlait du pain d'épices avec trop marqué châtaigne et tout ça, donc là moi j'avais le sourire parce qu'au contraire c'est super pour le chatu. Voilà. Après on peut jouer au contraire sur plus de finesse. Donc, soit sur un vieux pinot noir, voilà, d'accord. Ça pourrait être très intéressant. Donc, un peu moins ardéchois, voilà. Mm-hmm. Mais châtu très intéressant. Ou aussi sur une très belle syrah. D'accord. Une syrah un petit peu âgée, bien avec un élevage assez poussé. Ça peut être très intéressant aussi. D'accord. Donc là, on parti pris pour cette recette. Oui. Tu restes sur le châtu. Ce châtu, parce qu'il a un peu plus d'acidité. Donc, du coup, ça va pouvoir nous rafraîchir un petit peu la bouche. Nous faire un petit peu saliver et du coup sur le côté sucré et épice qu'on a sur le plat, ça sera que plus intéressant. Dis-nous, on peut te retrouver où? Est-ce qu'on peut venir chez toi? Est-ce que voilà, peut venir chez moi, le domaine est ouvert tous les jours de 16h jusqu'à 19h maintenant. Très bien. Où ça? À Balbiac, donc c'est un petit village au-dessus de Rosières. Voilà. Très bien. Bon, bah, c'est parfait. Mon père et ma mère, souvent, qui tiennent le caveau. D'accord. Donc, moi, je suis rarement. Mais... Bon, voilà. Je te laisse ouvrir la bouteille. Et donc, tu la proposes également au Magnum. Oui, oui. Ben, moi, le Magnum, c'est un format que j'adore pour le partage. Voilà. Évidemment. Voilà. Des grandes tables sur ce type, en plus de plats comme ça, familial, typique. Donc, voilà. On n'oublie pas pour les téléspectateurs que vous retrouverez, bien évidemment, la recette que nous a préparée donc, aujourd'hui Nathalie. Donc, je vous rappelle du restaurant La Calèche, c'est à l'Argentière. Vous pouvez y aller, la saison démarre pour elle et d'ailleurs pour tous les chefs, mais vous serez évidemment bien accueillis et vous y mangerez très très bien. Donc ça y est, les criques, les carottes, les navets sont sur l'assiette. Tout à fait. Il ne reste plus qu'à quoi ? À napper. Napper. Voilà. Donc tu ne mets pas le lard. Je ne vais pas le mettre d'accord, sur l'assiette parce que ça ferait déjà beaucoup. En même temps, c'est des belles portions là. J'ai mis des belles portions parce qu'on est dans le terroir. Voilà. Et dans on, le terroir. On aime bien manger en Ardèche comme ça. On aime bien manger. Parfait, très bien. On est vraiment dans le terroir. Donc, quelque part, j'ai mis des grosses portions volontairement. Voilà, très bien. On remercie bien évidemment les magasins Matal de leur accueil, de toute l'équipe bien évidemment. La semaine prochaine, on se retrouvera avec Emmanuel Chaussabelle, c'est le restaurant L'Aubépine. Et c'est à Obona. On vous dit à très très vite. Tu salues la caméra, Nathalie. Tu fais un petit coucou à nos amis. Et à bientôt. Donc c'était Toc 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 qui est là avec Nathalie. À bientôt.